what you've been looking for. Trust me, I don't wanna feel no more.
architecte de la finale de la division A de la LCE, donc de League of Legends, évidemment. Donc, on a les Gaillards Cégep de Jonquière qui font face à Horizon du Collège Montmorency de Laval. Donc, pour ceux qui ont suivi la LCE peut-être depuis la saison passée, donc on se retrouve avec le même match-up. Encore une fois, les Gaillards contre le Collège Montmorency qui était à l'avantage des Gaillards dans la saison A, donc, dans la saison 1, pardon. Reste à voir si cette saison-ci, on pourra faire différent. Donc, vous êtes en compagnie de mon cher co-caster préféré, votre deuxième casseur préféré, évidemment, Jean-Benoît Typique Souci, ainsi que moi-même, votre casseur préféré, Jordan Piger Roy-Lemay. Yes, donc comme tu l'as dit, Piger, les Gaillards qui étaient les grands gagnants de la saison 1 de la LCE. Donc peut-être ce soir, on va avoir droit à une revanche du côté du Collège Montmorency. Très certainement, on a deux équipes très solides. On parle de calibre passant de High Platinum jusqu'à même Grandmaster. Donc, on a des joueurs là qui se situent dans le top 0,0 quelques pourcents des meilleurs joueurs en Amérique du Nord. Donc, on peut s'attendre à du niveau de la part de ces deux équipes-là. Si on regarde au niveau des line-up du côté du Cégep de Jonquière, nous avons à la top lane Mekio dans la jungle, Chairman Netero, Webstars en mid lane, Korean KRN Expressive plutôt. Aussi connu sous le nom de Benji qui sera dans le rôle d'ADC et Salty qui jouera support. Oui, évidemment, si on va du côté d'Horizon, et donc là on parle du Collège Montmorency en top lane, on a skisé Loli qui sera un grand joueur de carry, il va falloir attention de ce côté-là. En jungle, best Rek'Sai bot, son nom le dit, une excellente Rek'Sai, mais on se mentira pas, je m'attends pas à l'avoir aujourd'hui dans cette finale. Alors que du côté de la mid lane, ce sera IM, Defy et respectivement en bot lane, AD Carry et Support, ce sera XD, Arrows et Alterium. Ouais, donc Piger, si on regarde ces deux équipes-là, quel champion est-ce qu'on devrait voir ressortir le plus là, dans ces match-ups-là, surtout considérant la méta qui a évolué vraiment rapidement dans les dernières semaines? Donc, si on regarde premièrement par rapport aux joueurs, donc évidemment, statistiquement, donc on va y aller lane par lane, on va y aller par les match-ups. Donc, en top lane, on a deux joueurs de Carry. Donc, du côté des Gaillards, on a Mekio. Du côté d'Horizon, on a Skizé Loli. On a ces deux joueurs qui, comme je viens de le mentionner, aiment beaucoup, beaucoup les carry style top laners. Donc, on pense, entre autres, à Ducled, Irelia, Camille, Darius, Gangplank. Toutes des champions qui ont été joués énormément durant la saison de la Division 1. Donc, vraiment, là, c'est très, très, très agressif. Et ce que je parlais avec un des joueurs, justement, et avec les régies un petit peu plus tôt, c'est que je m'attends à avoir beaucoup d'importance du côté de la top lane, particulièrement du côté d'Horizon. Parce qu'on a un match-up qui... Le top laner qui va avoir l'avance dans ce match-up-ci va probablement avoir beaucoup de contrôle sur la partie, étant donné qu'on sait qu'un carry champion en top lane qui est behind, ça peut devenir très difficile. Donc évidemment, pour celui qui va être en avance, ça va être très facile. Et donc là, ça va vraiment aller jouer aussi avec le match-up jungle, puisque évidemment, on sait bien que du 2v2 en top lane, ça peut être très, très important. Donc justement, si on regarde les junglers, du côté d'Horizon, best Rek'Sai bot qui... Oui, on a une très grosse Rek'Sai qu'on s'attend à ce qu'elle soit ban. Mais après ça, sur quel champion on peut aller chercher? Je m'attends à avoir une très belle Sejuani. Et pourquoi Sejuani? Je l'ai expliqué justement encore. Je l'expliquais plutôt typique. Parce que Sejuani est un champion qui excelle en 2v2 avec des carries en top lane. Des champions qui sont melee, on pense à Camille, Irelia. Tout ce type de champions-là, Fiora également, sont des champions qui vont aider Sejuani à proc le passif très facilement. Donc, je m'attends peut-être à avoir une Sejuani du côté d'Horizon. Par contre, si on passe du côté des Gaillards, donc, Chairman Netero qui, lui, on voit un bon champion pool de carry jungle. On parle de Jarvan, Ekarim, Graves. Graves est peut-être un petit peu moins populaire en ce moment, mais Ekarim par contre. Ekarim et Jarvan qui sont deux junglers extrêmement puissants en ce moment. Donc, on va faire attention à ça. J'ai bien hâte d'avoir la phase de ban d'un côté comme de l'autre parce qu'il va y avoir des champions d'importance et on va devoir être très, très intelligent durant le pick and ban. Ouais, donc comme tu le disais, Piger, match-up très, très volatile en top lane. Évidemment, beaucoup de priorité qui va aller vers la Sejuani qui est dans un très bon spot présentement. Tu as parlé de Jarvan, tu as parlé d'Ekarim aussi. Jarvan qui a quand même des bons avantages face à Sejuani en termes de skirmish, donc peut-être essayer de la rencontrer plus dans le bot side si jamais il y a des escarmouches dans ce coin-là. Mais certainement, comme tu le disais, la top lane qui risque d'être une lane très explosive et très focus par les joueurs du côté des deux junglers, en fait.
Si on regarde la midlane Web Stars qui va affronter IAM, on peut regarder un petit peu là, les champions qui sont favoris dans ce match-up-là. Donc, Web Stars qui n'a pas beaucoup de games de jouer sur, en fait, en midlane et qui est un niveau, on parle de Diamond 1 contre Platinum 4. Donc, oui, effectivement. IAM DeFi qui est grandement favorisé dans ce match-up-là. Donc, IAM DeFi qui récemment s'est penché beaucoup sur du Sylas, qui a eu des ajustements dans la dernière, dans la patch, en fait, dans les dernières patchs. Donc, Sylas qui est encore en train de trouver sa place dans la méta. On ne sait pas, est-ce que c'est mieux en top lane, est-ce que c'est mieux en mid lane. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des expériences avec ce champion-là. On en a vu la démonstration en pro play, évidemment. Par contre, ce que je vois présentement, c'est IAM DeFi. On a énormément de confort. On vient se conforter avec le pick d'Akali qui peut vraiment, vraiment être un champion qui snowball hors de contrôle très, très rapidement et qui peut donner un grand contrôle là, du côté du cégep de Montmorency. Ça pourrait vraiment peser lourd dans la balance. Oui, effectivement. Et comme tu l'as mentionné, on a probablement, sans vouloir parler justement là, contre Webstar, mais on a probablement le plus gros mismatch de Elo en midlane. Donc, une Akali qui peut vraiment snowball du côté de la midlane, ça peut être vraiment effrayant pour le côté des Gaillards. Mais oui, effectivement, si on continue justement l'observation des match-ups, si on se dirige vers la botlane, là, par contre, c'est l'opposé qu'on a. On a peut-être un très bon midlaner face à un midlaner un petit peu plus bas à Elo du côté de la midlane, mais, comme je l'ai dit, les AD Carry, par contre, on a Benji du côté des Gaillards, alors qu'on a XD Arrows pour Horizon. Et Benji est, selon moi, un des AD Carry qui... Donc, je casse, comme je le disais tout à l'heure, là, je casse depuis environ 4 ans, et quand je suis arrivé, justement... Dans la scène du casting, Benji était déjà un des meilleurs AD Carry au Québec et en ce moment, et encore là, vraiment un AD Carry qui sait vraiment se faire respecter, qui fait ses preuves. Donc, j'ai bien hâte d'avoir le match-up en botlane. Selon moi, on va avoir tout avantage du côté d'Horizon de jouer safe. On veut pas être behind en botlane parce que si on donne l'opportunité à Benji de carry, il peut la prendre et il peut vraiment faire du bon travail avec ça. Donc, justement, en parlant de Benji, si on peut regarder un petit peu son champion pool. On a les comfort picks de Benji qui sont Caitlyn et Kalista qu'on le voit sortir presque à tous les tournois. Ça, évidemment, on est très contents, Peter et moi-même, lorsqu'on voit la Caitlyn de Benji en action. Donc, possiblement un target ban, Peter. À ce niveau-là, on l'a vu vraiment être focus là, dans des tournois là, au cours des années. Donc, la Caitlyn et la Kalista qui risquent d'être en haute priorité là, dans ce match-up-là. Oui, effectivement. Si on regarde par contre du côté de XD Arrows, on voit qu'on a joué beaucoup de Jhin, de Ezreal, deux champions qu'on semble être vraiment confortables. Et surtout dernièrement, là, si on regarde un petit peu les statistiques des 10 dernières games, même des 7 derniers jours du côté de XD Arrows, on est au-dessus de 28 parties. On a 28 parties, justement, de Jhin dans les 7 derniers jours. Donc, on voit vraiment là, qu'on a beaucoup d'emphase sur le champion. Est-ce que ça va être joué aujourd'hui dans ce match-up de botlane? Je pense qu'on devrait peut-être opter vers des champions un petit peu plus safe du côté de Arrows. Mais tout de même, on est très confortable sur le Jhin. Ça pourrait être intéressant de le voir. Sinon, du Ezreal, on le sait, c'est safe. On a une bonne Caitlyn, on a une bonne Sivir. Donc, on a un bon champion pool disponible du côté d'Arrows. Alors que finalement, si on regarde le match-up qui nous manque, le match-up du côté support dirt. Donc du côté d'Horizon, on a Alterium, alors que du côté des Gaillards, c'est Salty qui fera face justement à son opposant. Ouais, donc côté support, je vais prendre toutes les connaissances que j'ai du côté support, bien que Pidgeur soit le main support dans notre duo. Alors, on a des picks assez funky des deux côtés. Alterium qui, comme champion, a pu jouer Zilean et Nami, donc Nami peut vraiment faire des merveilles conjointement à Jhin ou offrir une safe lane à un Ezreal aussi. Donc, très intéressant de ce côté-là. Mais on va enchaîner, mesdames et messieurs, parce qu'on est rendu en champ select et les premiers bans qui sortent, Rek'Sai, évidemment, on en a parlé, et Riven qui va s'en suivre, donc target ban envers Mekio. Et donc, on vient retirer le deux Bruiser Melee Champion dont on a parlé précédemment, qui était à surveiller.
Oui, donc justement, là, des bons target men, tu mentionnes, on suit avec le band de Galio. Galio qui a été joué justement par Alterium lors de la demi-finale, la dernière partie de la demi-finale qui a duré une bonne cinquantaine de minutes. Donc Galio qui avait su trouver l'engage final pour terminer la partie. Donc on va le retirer des mains de l'Alterium et évidemment, comme on le mentionnait, là, la Kalista également de Benji qui a été retirée. Donc il semblerait qu'on aurait peut-être écouté le stream un petit peu du côté d'Horizon ou tout simplement qu'on aurait fait nos bonnes recherches. C'est pas trop dur à voir là, justement si on va voir les stats du compte à Benji. C'est de loin le most played sur la compte. Et les deux derniers bans qui ont été Jax et Jarvan. Donc toutes des champions qui sont très puissants en ce moment. Mais là, qu'est-ce qu'on voit passer? C'est Hecarim. Hecarim qui, on l'a mentionné selon moi, est le jungler le plus puissant en ce moment de la méta avec Conqueror. Peut-être qu'il peut être justement contesté au titre du plus fort de la méta avec Jarvan, mais tout de même Hecarim que je suis très étonné qu'on voit passer ici. Donc ça va avoir un très bon impact du côté des Gaillards. Donc en sélectionnant Hecarim en première rotation ici, et on a la Sejuani en fait, on laisse la Sejuani open de ce côté-là, donc on va essayer peut-être de leurrer l'adversaire à aller chercher un match-up vers Sejuani. Et non, on va s'arrêter sur possiblement une botlane Morgana Ezreal sur la deuxième rotation du côté de la Red Team. Donc deux très bons picks, très bons safe picks comme tu le disais. Donc on va vouloir vraiment tenir landing phase et scale up pour laisser le temps à nos carry en top et mid lane de prendre les devants. Ouais, donc là, comme tu l'as mentionné, une bonne safe lane, mais là on va aller répondre justement avec le pick de Brom qui lui est tout aussi safe. On peut très bien jouer autour de notre AD carry avec le champion. On sait qu'on va probablement avoir un hyper carry du côté d'Expressive, donc ça va tout simplement aller amplifier le scaling de celui-ci. Si on applique bien les stacks du passif à Brom durant les teamfights, ça peut être très très intéressant. Et tout simplement contre Morgana, ben on peut vraiment là, gagner beaucoup de temps suite à un binding de Morgana. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est que je suis très content de voir pour l'instant du côté d'Horizon. Je pense que mes prédictions ont beaucoup, beaucoup de sens pour l'instant. Une botlane qui était très safe, à mon avis, comme j'avais mentionné, on veut vraiment aller laisser les power picks côté du top side pour Horizon. On veut avoir une botlane très safe, Morgana et Ezreal, qui eux vont pouvoir se permettre là, de jouer très tranquillement durant la laning phase. Et on récupère la Sejuani pour avoir un très bon 2v2 en top lane. Reste à voir, par contre, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme carry top lane du côté d'Horizon, pardon, pour justement aller complémenter la Sejuani sur le 2v2. Mais pour l'instant, contre Hecarim, va tout de même falloir avoir des bons outils parce que Hecarim, qui lui aussi est extrêmement puissant en 2v2. Et le dernier pick aussi là, qu'on a oublié de mentionner pour l'instant, Orianna qui a été récupérée pour Webstars, qui est de loin justement le champion le plus joué pour Webstars durant la saison. On l'a joué plus de 5 fois tout au long de la saison. Donc on l'avait mentionné, Webstar qui, de son champion pool au cours de sa saison en solo queue ranked, on joue pas beaucoup de midlaner. Donc Orianna est justement, selon moi, un midlaner qui est très facile à aller chercher, très facile à apprendre. Donc c'est probablement pour ça qu'on joue un champion du type Orianna. Ouais, donc Orianna qui va nous offrir un safe pick. On va avoir quand même un wave clear décent aussi si jamais on tombe dans une lane agressive. Mais là, on a sorti un pick de Lux qui est très particulier. Lux qui a été joué entre autres dans les LCS North America dernièrement et qui a quand même pesé lourd dans la balance. Donc j'ai très hâte de voir dans la partie suivante qu'est-ce que ça va donner comme pick. Donc deux control mage possiblement en mid lane, Morgana qui m'étonnerait que ça sorte en mid lane, mais sait-on jamais, peut-être qu'on irait d'un swap de lane un peu épicé, mais ça me surprendrait. Sinon, on va chercher quelque chose de très très safe du côté d'Expressive, comme tu le disais, un très bon wave clear, surtout sachant qu'on va pouvoir mener la vie dure à notre adversaire dans la laning phase. On va chercher du pushing, on va vouloir aller chercher du plating très très tôt dans la partie. Et on a fini aussi par sécuriser la Camille pour Mekio en top lane. Ouais, donc le Camille qui va justement là, être priorisé, on l'a dit, des carry en top lane. Reste à voir par contre le match-up qu'on va aller chercher. Et oui, on va chercher le Vladimir, donc peut-être pas le champion qu'on s'attendait, sachant qu'on avait une Sejuani du côté de la jungle. Donc pour proquer le passif, ce sera pas aussi évident qu'on le prévoyait, mais tout de même, en ayant un Vladimir qui lui est tout aussi puissant dans la méta. Vladimir qui, selon moi, est probablement un des meilleurs champions en ce moment aux côtés de Karim. Qui sont personnellement mes bans favoris. Vladimir, si on laisse scaler, si on lui donne la chance de se rendre en late game, ça risque d'être assez dévastateur. Mais là, par contre, ce que ça nous donne
d'avoir été chercher un Karim, c'est que peut-être que le 2v2 en top lane pour l'instant est pas si impressionnant que ça. On a Karim, Camille contre Vladimir et Sejuani. Donc, évidemment, Camille et Karim qui vont avoir une bonne facilité de gagner le 2v2 en top lane. Par contre, là, il va falloir porter attention au match-up du côté de la mid lane. Lux contre Orianna qui, AMDFI, j'ai eu vent qu'il y avait une très bonne Lux. J'ai parlé un petit peu avec Alterium hier, j'ai eu l'opportunité de parler avec lui. Et on m'a vanté un petit peu la Lux de AMDFI, donc j'ai bien hâte de voir ce qu'on va réussir à faire avec ça dans cette partie-ci. On peut aussi regarder rapidement du côté des deux AD Carry, on a opté pour le téléport. Donc, on y va vraiment pour du scaling, on veut pas aller pour de la grosse agression du côté du laning phase. Comme tu l'as mentionné, évidemment, Expressive qui lui sur Sivir et on a un petit peu l'avantage du côté skill individuel également. Donc, je m'attends à ce qu'on mette de la pressure énormément sur la botlane de Arrows et Alterium, ceux-ci qui vont probablement être pris un petit peu sous leur tour une bonne partie du early game. Donc, il va falloir voir ça. Comment est-ce qu'on peut justement jongler un petit peu avec la pression qu'on va avoir sur la map, puisque ça va vraiment varier là, d'une lane à l'autre. Ouais, donc comme tu le dis, Pager, le mot-clé pour cette partie-là, ça va vraiment être de jouer son tempo. Donc, jouer vraiment le tempo de notre composition. On parle d'un 2v2 très puissant en top lane pour le Cégep de Jonquière, alors qu'on y va plus pour un scaling match-up du côté du 2v2 adverse en top lane. Dans la mid lane, bon, deux control mage, on est solide, on a bon wave clear, donc on a quand même un match-up assez similaire en termes de pick du côté de la mid lane. Bot lane, je donne un avantage déjà early par contre au Cégep de Jonquière encore une fois, donc le tempo early pour les gaillards qui est très très intéressant, alors que du côté du collège, moment-ci, on y va vraiment plus côté scaling. Donc, on va avoir des power spikes un peu différents et ça va vraiment être de jouer sur les power spikes. On parle de Sivir qui va avoir un énorme power spike à 3 items, Ezreal qui va en avoir un lorsqu'on va avoir notre Muramana de compléter avec soit la Triforce, soit la Iceborne Gauntlet. Donc, vraiment, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités de renversement de situation tout dépendant de comment on joue sur ces power spikes-là. Et je trouve que la façon que le draft a été construit, on voit que les deux équipes ont quand même une très bonne conscience de ça. Donc, on se drafte des forces à un tel moment dans la partie en sacrifiant des faiblesses plus tôt ou plus tard. Et on essaie d'avoir vraiment deux compositions qui sont très, très bien « well-rounded », comme on pourrait dire là, en bon français. Oui, une petite lacune que je semble remarquer un petit peu là, du côté d'Horizon, c'est qu'on a très peu de damage. De physical damage. Ezreal qui... Oui, il a une bonne partie justement de son damage qui est physique, mais sans vouloir justement enlever à cette bot lane-là, on est face à Expressive face à Benji Expressive, peu importe le nom qu'on va utiliser, risque de mettre beaucoup de pression sur Ezreal. Et selon moi, Ezreal va peut-être être un petit peu behind. Son power spike va peut-être être dealé un petit peu par rapport à ce qu'on peut voir normalement. Donc ça risque peut-être d'être un problème. Reste à voir par contre comment est-ce qu'on va systémiser du côté. Du côté des gaillards, on n'a pas une composition extrêmement tanky, donc heureusement pour Horizon, on n'aura pas justement là, un champion comme Maokai qui va être en train de stacker de la Magic Resist face à eux. Donc ça va nous donner justement l'opportunité quand même d'avoir des bons damage, mais effectivement là du côté d'Horizon, peut-être un petit manque de physical damage de ce côté-là. Ouais, donc évidemment peut-être on opterait pour une option Triforce sur Ezreal. On le verra bien alors qu'on se lance dans le loading screen. On va faire le tour des joueurs et des rooms très rapidement pour vous, mesdames et messieurs. Alors, du côté du Cégep de Jonquière, donc les gaillards, on va avoir en top lane Camille qui sera joué par Mekio en jungle et Karim qui sera joué par Chairman Netero en mid lane, Webstars qui jouera Orianna en bot lane respectivement, Expressive slash Benji et Salty en tant que ADC et support. Ouais, alors que du côté d'Horizon, en top lane, ce sera Skizé Loli sur son Vladimir du côté de la jungle, Best Rex Ibot qui a récupéré la Sejuani. En mid lane, AMDFI sur Lux. Et du côté de la bot lane, XD, Arrows et Alterium qui ont respectivement récupéré Ezreal et Morgana. Alors que si on regarde du côté des runes, rien de bien particulier. C'est tous des runes relativement standards, là. Peut-être, en fait, le Glacial Augment du côté de Lux qui... peut être variable. Je pense que du côté de Lux, on peut aller chercher justement autant la comète, autant le Airy que le choix un petit peu moins conventionnel. On reste dans les Inspiration Tree, ouais. Donc on reste quand même dans les Inspiration Tree.
ça reste qu'on va justement aller amplifier notre catch potential. On va aller chercher les multiples slows que ça peut apporter. Donc là, si on regarde le niveau 1, rien de bien, bien agressif. On veut rester très traditionnel lors de la première partie. C'est généralement, on veut pas aller justement aller jouer trop agressif de ce côté-là. Un 5 point bien classique. On va peut-être aller chercher quelques procs de kleptomancie du côté des UL. Et voilà le premier qui ne touchera pas. Mais évidemment, là, on veut neutraliser la vision de l'adversaire, neutraliser notre vision. On veut un niveau 1 bien simple pour cette première partie. Ouais, donc on y va pour un start très standard, donc en mirror jungling ici. Alors, Ekarim qui va commencer à son red s'est joignit à son blue et on va se diriger vers le top side évidemment là, pour aller chercher la suite de nos buffs. On va faire une arrivée tardive en lane du côté de Vladimir pour peut-être fake un leash ici. Et voilà, donc on va tout simplement laisser Mekio pusher déjà la top lane vers lui. Donc on sait que on va vouloir scaler du côté de Vladimir, on va laisser les minions se déplacer tranquillement vers notre tour pour pouvoir avoir un moment où les junglers vont sortir avec leur double buff et on va avoir une lane qui va vraiment être où on la veut et on va être dans une position assez sécuritaire. Attention, les deux junglers qui se rencontrent, c'est Pidger. Ouais, donc là, ici, premier affrontement de la partie, on met un petit peu damage sur Best Respect Bot. Le snake va passer avec une extrémiste sur Ekarim, donc on va réussir à sauver un peu là, des HP sur Best Rek'Sai Bot. Est-ce qu'on aurait été capable d'aller chercher le kill ici? On avait quand même le Ghost qui a été utilisé du côté d'Ekarim, donc ça aurait pu être suffisant justement pour récupérer au moins le flash de la Sejuani, mais au final, là, rien qui aurait été utilisé à l'exception du Ghost. Bonne rotation justement du côté des AM de Fire. Oui, donc très très bonne réactivité de la part de AM de Fire, comme tu le mentionnais. Et là, on a vu. Tranquillement, là, la wave top qui est en train de stacker massivement. Et on va peut-être pouvoir aller chercher là, du bon dégât sur la tour du côté de Mekio. Ouh! On a failli manquer un petit CS, un petit canon en mid lane, mais tout va bien. On parlait de jungle miroir. Finalement, Chairman Zero qui a décidé d'aller pour un full clear de la bot jungle après avoir terminé son invade. Alors que Best Rek'Sai Bot continue. Sont clear ici alors qu'on est au Raptors présentement du côté de Ekarim. On va retourner vers la top lane et là on n'aura pas beaucoup d'opportunités malheureusement pour la top lane étant donné que Vladimir est sous sa tour. Par contre, peut-être qu'on peut s'attendre à de l'action dans la mid lane dans les prochaines minutes. Ouais, le clear path qu'on a vu du côté d'Ekarim est un clear path qu'on a commencé à voir là. On avait une grosse méta orientée sur les champions qui disaient prédateurs. On pense entre autres à du Olaf. On avait également Ekarim à ce moment-là qui disait prédateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un full clear du côté de la bot side. De ce côté-là, on a même réussi à avoir le Scuttle Crab. Et on va back aller chercher une paire de bots et justement aller amplifier notre early game. Généralement, c'était pour avoir le prédateur pour le premier gank. Mais là, évidemment, puisqu'on a un Ekarim, on sait qu'on scale avec le movement speed. Donc, ça va tout simplement être un bon improvement dans son build. Alors qu'on a vu cette Sejuani qui, elle, a pris un clear path bien standard. On fait un clear, full clear bot side. On fait un full clear en top side. On a su avoir les deux Scuttle Crab par contre du côté de Karim. Donc, c'est une bonne victoire déjà du côté des Gaillards. Donc, reste à voir comment est-ce qu'on va savoir utiliser cette avance du côté du jungler. Des Gaillards, pardon. Ouais, effectivement. Donc, comme tu le mentionnais, Ekarim qui a quand même, somme toute, été très agressif et n'a pas été puni côté farming de la jungle. On est toujours dans les devants et on s'est même permis d'acheter l'upgrade de la potion. Donc on y va avec des charges pour se permettre, grosso modo, un jungling infini à partir de maintenant. Donc Karen qui a énormément de sustain grâce à son W dans la jungle. Et là, on joint ça aussi avec le talisman plus la potion. Donc, Ekarim qui est prêt là, pour une bonne session de power farming avant la prochaine action. Alors que, on parle de tout ça, le Infernal Drake vient de faire son entrée. Et là, les deux junglers vont à nouveau se rencontrer à la botlane. Oui, ici, donc là, on a un petit avantage en termes d'items du côté de cette Sejuani. Donc, on sait que ça fera pas une grosse différence, par contre, en situation 1v1, si en top lane on prend un petit trade, le phase rush de Skizzyloli qui va nous permettre de rester en bonne posture généralement contre Camille, là, ça va nous donner la possibilité de kite celle-ci un peu plus facilement. On sait, Camille, si on réussit à rester en melee range, le true damage du reset d'auto-attaque sur son Q peut faire très très mal, donc faut faire attention à ça. Pour l'instant, on s'en sort bien du côté de Vladimir, un petit CS behind, du côté de Vladimir, mais on a une bonne wave qui push vers celui-ci. On va probablement pouvoir reprendre un petit peu
de notre retard, alors qu'on va d'un bac du côté de Camille. Qui va probablement utiliser la téléportation, étant donné qu'on va perdre une grosse wave si on le fait pas. On sait que notre wave push et on récupère les X-Drinkers sur cette première wave. Donc on le sait, on a un Vladimir et une Sejuani du côté topside face à la Camille. Donc on va vraiment aller mettre beaucoup d'emphase sur le Magic Resist. Et on l'a mentionné, tout simplement la composition d'Horizon qui est très très orientée Magic Damage. Donc la récupération d'un X-Drinker en début de partie pour Mekio va être très très importante. Ouais, un élément qui a énormément de valeur. Donc, on parle en termes de statistiques pures, de l'argent bien investi du côté de Mekio en top lane. Et parlant d'argent bien investi, on a une très très grosse wave. Donc une très très grande quantité de gold là, qui va être récupérée par le Vladimir en top lane, mais qui subit tout de même la pression. Le Vladimir qui est vraiment pris sous sa tour. Et la stratégie présentement de Mekio est d'empêcher Vladimir de téléporter maintenant, surtout qu'on est niveau 6. Donc on va essayer de, si jamais il y a une quelconque action, peut-être une contestation au Infernal Drake là, qui a été entamé par la botlane du cégep de Jonquière. Donc empêcher ce Vladimir de téléporter, ça n'a pas l'air du tout d'être contesté. On va avoir un free Infernal Drake, attention, on y reviendra. Oui, donc là en top lane, un gang de Best Rex About. On réussit à cliquer les stacks du passif. On passe le sort, c'est vraiment suffisant pour prendre le kill. Je ne croirais pas l'ultimate de Vladimir qui va appliquer une bonne source de damage, mais tout de même, là, Mekio qui encore près du tiers de son HP. Et comme tu l'as mentionné durant ce temps-là, on a récupéré le premier Drake de la partie. Un Infernal Drake qui va tout simplement là, commencer à amplifier le scaling du côté des Gaillards. Donc ça va être une bonne acquisition de ce côté-là. On le rappelle, Infernal Drake qui donne, le premier Infernal Drake qui donne un 10%. D'attaque damage et d'ability power, donc ça va être très substantiel lors de cette partie. En attendant en mid lane, on se trouve une belle shockwave du côté de Webstar. On a les renforts qui arrivent par contre du côté des Gaillards, pardon, d'Horizon, Best Rex Cybot qui vient donner un petit peu de liberté à Lux du côté de la mid lane. On va l'aider à pusher cette lane là et probablement d'aller d'un reset pour du côté d'IM de Fire. Oh, attention, le combo ici, on a utilisé le barrier là, pour garder notre quantité d'HP assez haute, donc on n'ira pas d'un back tout de suite du côté de Webstars, malgré qu'on n'ait plus du tout de sustain. Et on doit regarder par contre les niveaux des junglers, puis genre, on en parle vraiment beaucoup là, depuis le début de la partie. C'est Joli qui est toujours niveau 5, alors qu'on est vraiment d'avance, on parle d'un 10 CS d'avantage du côté des Karim. Oui, c'est parti, un petit peu d'action au bot, le binding ici, expressive qui va. Ouh, très belle action, le flasher d'expressive. On a utilisé tous nos sums du côté de l'ADC en fait du cégep de Jonquière. Donc flash in de la part d'Arrow, flash out de la part d'Expressive. Très très grosse action ici. Donc par contre en termes de summoners, on reste en avantage du côté de Brum qui a toujours son ignite et son flash. Donc potentiellement qu'après le retour d'Expressive en botte, il pourrait avoir de l'action. Oui, on pourrait chercher les blocs plus agressifs. Mon sait, du côté de Brom, ça reste très difficile d'aller appliquer le passif sur l'adversaire, sachant que le Black Shield de Morgana peut faire un très bon effet de ce côté-là. Mais effectivement, on a récupéré une petite avance de CS du côté de Sivir. Pour l'instant, ça apparaît pas, mais lorsqu'on reviendra une lane et qu'on aura fermé cette wave, on va voir justement là, la petite avance se creuser. On sait qu'on a l'avantage de wave clear, on sait qu'on a l'avantage justement du CSing face à un Ezreal qui, lui, peut avoir beaucoup de difficultés lorsqu'on se retrouve dans une situation où on doit farmer sous la tour. C'est pas tout le temps évident d'essayer de coordonner notre farming sur la tour, sachant que généralement on va aller chercher une Sheen comme premier item. On n'aura pas d'apport d'OD qui va nous permettre de one-shot les caster minions ou sous la tour en fait lorsqu'ils ont pris un coup de tour. Donc ça peut être un petit peu plus difficile de ce côté-là et c'est probablement dû à cette raison qu'Expressive, pardon, Benji pourra prendre un petit avantage en début de partie. Ouais, donc par contre, on a l'Ezreal ouais, qui fait son retour en lane avec une pickaxe, donc pour essayer de pallier justement à ce manque-là. Et là, on va regarder Pidgeur, le prochain objectif, qui fait son entrée sur la paire. Attention, oh, très beau Glacial Prism ici, c'est enchaîné. Oh, le flash out in extremis. Donc on avait les Murkfels du côté de Webstars qui a eu une très très bonne idée. Achat très intelligent ici. Dans la bot lane, on a une mêlée. Est-ce qu'on va réussir à trouver un stun du côté-là? Belle ultimate de la part de Statue, on suit avec un ultimate de Sherman et Benji qui est très low aussi. Est-ce qu'on va tomber au damage de l'Ignite? Non, ce ne sera pas le cas. Et c'est Alterium qui va tomber First Blood récupéré du côté TM. Sherman Netero avec un très bon gank du côté de la bot lane qui récupère le premier kill de son équipe. Ouais, donc très très belle action. On a vu le cégep de Montmorency tenter une action au mid. Tout de suite, on a répondu à la bot lane du côté des Gaillards et on a réussi à aller chercher le First Blood là-dessus. On a le contrôle complet
de la Budside River de leur côté. Et on va sécuriser un Skullhold là-dessus. Donc, très, très bonne action. On parle déjà d'un 800 gold d'avance du côté des Gaillards. Donc, c'est pas une énorme avance, mais quand même, on est dans les devants. On est dans les devants côté CS aussi. La pression est bien appliquée. Donc, on fait attention. Mais que c'est peut-être overextend ici. Ouais, c'est pas sûr. Est-ce qu'on va. On force le flash de celui-ci, on flash une côté de Loli. Est-ce qu'on va la damage pour faire tomber Mekio? On rappelle qu'on a également Lex Drinker qui peut nous donner une bonne tankiness. Et justement, on le voit ici qui vient proc donner un petit peu de survivabilité du côté du top laner. De toute façon, on trouve un beau bending glue, mais Deluxe. Est-ce qu'on va l'utiliser pour prendre le kill sur Webster? Non. Le barrière qui vient s'en mêler. Et quelle une auto-attaque manquant? Est-ce que les minions vont réussir à avoir raison de Webster? Non, mais c'est la Sejuani qui va venir s'en mêler. Récupérer le kill. Deuxième kill aussi du côté des Gaillards, donc 2 à 1, et Karim qui, justement, a une belle action ici, mais c'est même Orianna qui aurait dû récupérer le kill. Donc, un petit avantage qui aurait été donné du côté du midlaner des Gaillards, encore une fois. Ouais, donc, on met vraiment coup pour coup. Par contre, en midlane, ça a été un petit peu la grosse débandade. On en est sorti gagnant du côté des Gaillards, mais on voit vraiment d'entrée de jeu que le early game est vraiment rondement mené par les Gaillards. On est devant en CS en bot lane, on est devant en CS en top lane. On parle d'une énorme différence dans la jungle, 92 CS contre 64. Donc vraiment, les Karim là, qui fait des merveilles pour les Gaillards présentement. Donc très 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 grosse action de sa part. Et là, on va voir les Karim là, aller chercher pas mal plus de dégâts. Donc la Chine qui a été récupérée, on va s'enligner vers une Triforce très prochainement. Pareillement pour la Camille. Donc si on réussit à garder ce momentum-là et qu'on atteint nos Fire Spike côté top lane et jungle, on va vraiment pouvoir faire des ravages au Spirit Terror. Oui, on a parlé aussi de l'avantage de CS en bot lane. Faut pas oublier aussi qu'on a les Plaything maintenant qui sont un très gros objectif. Et là, par contre, on y reviendra sans le dire par le kill en arrière. Mais c'est de la part DXD Arrow à l'aide de l'ultimate. Sur la décarry adverse, par contre, grâce à là, dans le Drake Pit, on prend beaucoup de damage côté du German Hero. On a un bel ultimate qui réussit à gagner une situation. Et là, Sejuani qui va flasher l'extrémiste pour s'en sortir. On ne tombera pas du côté de Sejuani, mais grâce à là, I am the fight. Il va tomber aux mains d'Orianna. Celui-ci a réussi à récupérer un kill en retour sur le carré, mais c'est un trade de 1 pour 1 autour du dragon. Et c'est du côté des Gaillards qu'on a récupéré aussi le Drake Ocean Drake qui sera très bon en early game. On le rappelle, du bon sustain. On pense entre autres là, au top laner, peut-être qu'ils vont bien apprécier celui-ci. Mekio va pouvoir justement là, se saigner beaucoup plus facilement face à Vladimir durant cette lane. Donc, très très grosse action. Si on vous la repasserait au ralenti, vous auriez remarqué très certainement le smite in extremis pour regagner les HP du côté du Ekarim pour pouvoir turn avec l'ultimate sur la Sejuani. Le flash out de la part de PS Rex Ibot qui lui a permis de gagner un petit peu d'espace. Mais finalement, on s'en est sorti avec un 2 pour 1 dans toute cette action-là. Et vraiment explosif comme teamfight. Malheureusement, c'était un peu trop tard pour le collège Montmorency. Malheureusement, pour eux, attention, on y reviendra. On a un petit peu d'action. Oh, un bon boomerang qui vient aller-retour chercher un presque 50% de l'HP d'Alterium. Qui va déjà avoir un landing page assez compliqué. Oui, évidemment, là, une civière qui lend le Q sur une seule target peut faire très très mal. Des fois, là, on ne s'y attend pas tout le temps. On a tendance à dire que Tsuvir est un champion qui est pas très fort en early game. Mais quand on fait pas attention au Q, des fois, ça peut nous surprendre. Et avoir un burst, c'est assez intéressant. Donc là, on a les Karim encore une fois du côté de la bot lane. Est-ce qu'on va tenter un dive? On va tenter un dive. On a un tour est très très low. Oui, on rappelle également que Morgana qui n'a plus de stopwatch. Donc là, on a l'ultimate. Décivez qui lance les German Hero, on va trouver le flash de Morgana. Par contre, ici, Xero, qui sera dans une mauvaise posture. Le teammate de Morgana qui ne sera pas suffisant pour nous sortir de cette mauvaise posture. Et c'est finalement la T1 en bot lane et double kill qui a récupéré durant ce temps-là en mid lane. Webstar qui fait une très bonne check wave pour sauver du temps du côté de la mid lane. Et c'est le siege qui continue ce côté de la bot lane. Est-ce qu'on va aller récupérer la T2 si rapidement dans cette partie du côté des Gaillards? Et oui, ce sera une deuxième tour qui va tomber. On va enchaîner du côté du Collège Montmorency pour le Rift Era. Et non, on ne s'arrêtera même pas sur le Rift Era. On va tenter un gank en top lane. Mais Mekio qui l'a bien senti venir. On reste prudent sous notre tour. On va aller. Ouais, on va y aller même d'un back. Donc la wave qui va reset pour top. Ce que ce serait le coup. Attention, il reviendra l'ultimate qui passe en mid lane. German Hero qui force le flasher de I Am Defy qui est en très très mauvaise posture maintenant.
Donc, maintenant qu'on a une partie de la carte qui est très, très ouverte côté bot side, on a énormément de possibilités de gank. Donc, on sait Ekarim, très, très faible. On adore prendre l'adversaire à revers. Donc, surtout quand il y a plus tôt du côté bot side, on peut se permettre d'innover de la jungle, passer derrière la tour. Donc, I am the fire, là, qui va devoir être très, très prudent dans les prochaines minutes, étant donné qu'on a un Ekarim qui est en pleine forme. Et on a une Orianna qui, surprenamment, tient très très bien son match-up contre toute attente. Hein. On parlait d'un match-up Diamond 1 contre Platinum 4. Par contre, on a une Orianna qui est absolument magnifique jusqu'à présent. Et on se doit d'offrir les lauriers à César. Oui, on s'en sort très très bien. Mais évidemment, le Chairman de Tero qui, pour l'instant, est selon moi l'homme de la partie. On est quasiment partout sur la map. Et là, évidemment, on est allé pour une rotation. On a envoyé notre botlane sur la top lane. Durant ce temps-là, Best Trick Cybot va faire tant bien que mal pour défendre cette T1 en top lane. Mais malheureusement, ça va tomber ici. Parce que ça va tomber. En fait, on me fait mentir. Non, on réussit à défendre du côté de Horizon. On a eu justement là, les Carry et la Morgana qui sont arrivés en renfort. On a tout de même le Karim durant tout ce temps-là qui fait le Rift Herald, donc ça pourrait être vraiment l'opportunité d'ouvrir la map, de vraiment commencer à snowball la macro. Si on réussit à récupérer cette T1 en top lane et suivi d'un Rift Herald en mid lane, ça pourrait tout simplement là, être toutes les T1 du côté de Gaillard qui auront été récupérées. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à justement aller pressure la jungle adverse, aller counter jungle beaucoup plus agressivement et avoir un bon contrôle de la vision du côté des Gaillards. Parlant de contrôle de la vision, on a une Camille qui a infiltré la jungle adverse présentement, qui n'a pas été vue, qui va potentiellement être pris à revers. Oh là là, Mekun qui est dans une très mauvaise position ici. Le stun qui va passer, on enchaîne avec le tout. Ouais, Mekyo qui a été pris, mais en situation 2v1, c'est peut-être pas sa meilleure décision. Par contre, Sherman Hetero qui est arrivé au bon moment, on réussit à récupérer un kill sur Sue Joanie. I am Defy et Xyloli qui tente tant bien de mal de faire tomber la Orianna durant ce temps-là. Et en top lane, on continue d'être très agressif. On a récupéré la tier 1 du côté de la top lane. On voit vraiment Benji et Salty qui continuent de mettre beaucoup de pression sur cette partie-là. Et en fait. Ok, non, je pensais qu'on avait utilisé le Rift Herald, mais non, on me fait mentir. Non, le Rift Herald qui est encore disponible du côté de Chairman Netero. Et encore une fois, celui-ci qui est en train de faire le Infernal Drake. Donc, un troisième dragon du côté de celui-ci. Et là, ça nous donnerait un avantage de 7% d'AD et d'OP du côté de Gaillard. Donc là, on est confortablement devant. Là. On n'a pas seulement que 4300 gold d'avance du côté de Gaillard, mais on a justement ces trois dragons-là qui vont donner un extrêmement gros avantage lorsqu'on va venir au teamfight. Effectivement, donc parlant de teamfight, on va avoir des Triforce complétés très bientôt, très certainement sur le prochain bac des Karim là, qui est sur un 138 CS, on parle de 40 CS d'avance par rapport à son vis-à-vis, ce qui est absolument massif. Triforce récupéré à l'instant où on se parle par Ekarim, Camille qui va suivre très bientôt aussi. Donc les Gaillards qui sont dans leur tempo, ils sont à leur rythme, on a un très bon scaling, la Sivir qui s'enligne vers une Infinity Edge tranquillement. Donc, présentement, là, la partie galère entre les mains des Gaillards et la prochaine action, ça risque de se dérouler en mid lane alors qu'on se regroupe tranquillement. On va pusher du côté d'Expressive et on se prépare à lancer le Rift Herald. Ça devrait être la T1 qui tombe au mid. Eh oui, donc là, je l'espère pour Horizon qu'on va savoir utiliser le Power Spike d'Israel qui arrive bientôt. Parce qu'on va en avoir besoin, on va devoir commencer à défendre un petit peu les objectifs. Parce que si on laisse ce combat-là continuer, on n'aura pas le temps de se rendre au gros Power Spike qu'on a besoin d'avoir sur le vestiment. Par contre, ici, on a une belle mêlée en mid lane. On manque l'ultimate de police aussi. Par contre, on one shot le decarry adverse du côté de Lux et c'est la civière qui tombe. Du côté des Gaillards, est-ce qu'on va tenter de chasser un peu ici? On a l'Iceburn Gauntlet du côté d'Ezreal, mais ça ne sera pas suffisant. On sait que Karim est un champion qui peut être un petit peu difficile à chase, effectivement. Donc là, par contre, on a réussi à aller chercher un kill contre zéro dans cette mêlée-là. Ça va peut-être nous donner l'opportunité d'aller chercher une tour en mid lane. Non, au fond de la chance, c'est très belle top du côté de Webstar ici, on réussit à re-engage. C'est un kill qui est récupéré par Karim. Le snipe, Diggs Arrows qui ne réussira pas à prendre le kill, mais on réussit à arc and shift in pour aller récupérer celui-ci. Et c'est au final un trade de 1 pour 1 encore en mid lane. Par contre, ici, Mekyo qui n'a pas terminé. On re-engage, Sherman Netero fait beaucoup de damage. On réussit à rester en vie bien longtemps. Flash in de la part. C'est ce qu'il dit Loli, le teammate qui est très beau, très bien placé. Que ce sera suffisant. Non, on n'a pas beaucoup d'amis encore du côté de Vladimir. Donc, faut qu'un kill soit tombé. Très beau son de la part avec Yo. Est-ce qu'on est capable de résister? Oui, c'est Chairman Netero qui récupère son cinquième kill dans la partie. Et c'est
trois joueurs qui sont tombés du côté d'Horizon, alors qu'on est encore quatre debout du côté des Gaillards, et c'est un Baron Nashor qui va être lancé. Oui, donc le Baron, on a droppé le Rift Herald Teamfight, qui est parti à notre désavantage du côté des Gaillards. Ensuite, on s'est repris du côté d'Horizon, c'est revenu du côté des Gaillards, et avec tout ça, on termine avec la prise du Baron récupérée par Chairman Nethero, qui va in extremis éviter le Binding de la Morgana. On va retourner dans notre jungle, essayer de reset tout ça. Et on parle d'un Baron qui a été fait assis aussitôt que 21 minutes. On parle quand même de deux Infernal Drake et du Ocean Drake qui nous a permis d'avoir énormément de statistiques très très tôt dans la partie pour aller chercher le Baron. Oui, là, on a Luc qui est allé pour un snipe durant le Baron. Selon moi, on aurait pu tenter peut-être là, d'y aller pour un steal. On sait que le burst du QE ult à Lux peut être assez impressionnant à certains moments, mais... On peut matcher le smite, mais on est sur un build qui utilise le Glacial Augment, donc on n'a pas des items comme le Luden Seco. On est plus sur un Hextech qui nous donne en ce moment seulement 175 d'OP. Donc ça aurait pu être un petit peu plus difficile de ce côté-là, mais tout de même. Donc là, on récupère le Baron et on est en Baron Powerplay du côté des Gaillards. Est-ce qu'on va être capable de récupérer plusieurs tours grâce à cela? C'est ce qu'on verra dans les prochaines minutes. Mais on voit qu'on a une bonne wave du côté de la botlane. On voit justement notre Benji qui semble vouloir assiéger cette botlane alors qu'on va laisser justement Mekio aller d'un split push en top lane. Donc, est-ce qu'on va bien jouer ce split push? Selon moi, à mon avis, là ici... Mekio a tout avantage justement d'aller pressure cette top lane là. Je pense pas que du côté de Vladimir on a le damage pour aller faire tomber l'adversaire. Par contre, grand sang dans la bot lane. Oh l'ultimate de Mekio, et c'est Expressif qui réussit à récupérer ce kill là. Grand sang dans l'intérieur, même moins spatial, on prend beaucoup de damage. On a le Zonia. Oh! On n'aura pas de temporisation, c'est pas l'exclusif par contre. Grand sang de Sivir qui continue à faire du bon damage. Les Bouncing Blades qui font énormément de damage sur la backlane adverse, et c'est Chairman Hetero qui va y aller très deep dans cette fight, et on va récupérer les 4 kills dans ce 4 contre 4 seulement. Vladimir en top lane qui est toujours en vie. Pour Horizon, on a fait un 4 pour 0, on s'ensuit d'une tour, d'un inhibitor, potentiellement une deuxième tour, on parle encore de 5 secondes avant la stage money. Ça pourrait être la fin de la partie. Ça pourrait être la fin de la partie très tôt aussi. Oh, est-ce qu'on va avoir un kill en top lane? Le solo kill en top lane de la part de Mekio. Alors, Serge Chairman Hetero, Tank the Tower, on va s'en sortir. In Extremis, le Docket va nous garder en vie. Donc, on pourrait terminer la partie dans les prochaines secondes. Le snipe de Lux qui ne touchera pas l'adversaire, et non, on est forcé de battre en retraite. Par contre, on met beaucoup d'amène juste sur l'intérieur de la trempe qui tombe. Le kill qui est récupéré par Webster. Bill Shockwave encore une fois du côté de celui-ci. MDFI qui est forcé de se joindre ici. Et le Nexus qui va prendre du damage parce qu'on va être capable de récupérer celui-ci. Expressif qui va, et on récupère le dernier kill. C'est un ace, et c'est la première partie qui est remportée du côté des Gaillards. 1-0 dans cette grande finale. Donc, partie explosive, mais on en parlait, Pidger, le tempo qui a été vraiment à l'avantage des Gaillards. On est parti sur une note positive et on a surfé sur la vague jusqu'à la victoire. On a vu très, très peu de résistance du côté d'Horizon. Vraiment, cette partie-là qui a été assez one-sided, on pourrait dire. On a vraiment vu, peut-être en top lane, ça a été un petit peu plus lent qu'on le croyait. Par contre, le reste de la partie, le Chairman Nethero qui a absolument catapulté son équipe vers la victoire avec son Ekarim. Vraiment, chapeau à l'équipe des Gaillards qui nous ont vraiment là, offert du très, très gros niveau de jeu. Donc, on va passer la petite analyse dans tout ça. On va regarder les statistiques rapidement. Donc, si on parle en termes de damage contribution, on a... Benji et XD Arrows qui sont pas mal ex-aequo. On parle de 17k damage de leur côté, alors que du côté des junglers, on parle d'un 9k damage contre un maigre 5417 du côté de Sejuani. Donc, pratiquement le double de la part des Karim. On s'en attendait de la part d'un carry jungler qui est ahead, évidemment. Ce qui m'a surpris, PJ, c'est le match-up en mid lane. On parlait d'Orianna contre Lux. Orianna qui s'en est vraiment bien sortie. On a eu droit à des shockwaves exceptionnels, surtout à la fin de la partie où là, c'était très tendu. On commençait à avoir des respawn timers, les barres de vie du côté des Gaillards qui commençaient à s'amoindrir. Et finalement,
on a eu une très, très bonne shockwave à la fin qui a soldé le tout et permis la victoire à notre équipe. Oui, Webster qui m'a extrêmement impressionné face à MDFI qui, selon moi, était un des joueurs les plus menaçants, en fait, là, du côté d'Horizon, qui n'a pas vraiment deliver comme je m'attendais. Donc, peut-être qu'on va devoir justement faire des adaptations pour la seconde partie. Ce que j'aimerais bien voir, c'est ce que j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Je veux voir un early game carry dans les mains de Loli. De quoi, quelque chose qui peut justement aller avoir une bonne synergie avec la Sejuani, avoir un très bon 2v2 en top lane et vraiment abuser de ça. C'est, selon moi, ce qu'on devrait faire de ce côté-là. Et si on peut avoir une top lane qui, justement, est steamrolling, si on pourrait utiliser une expression un petit peu plus anglaise, je pense que c'est vraiment une méthode qu'on peut snowball cette partie-là. Mais bon, reste à voir ce qu'on va faire comme adaptation dans la prochaine partie. Sur ce, on va se lancer sur une courte pause. On revient pour la deuxième partie de cette grande finale. On le rappelle, les Gaillards A qui font face à Horizon du Collège Montmorency. Donc, Jonquière contre Collège Montmorency. Une finale qu'on a vue en saison 1 et on se les revoit en saison 2. On vous revient très bientôt. We'll be right back.
Et oui, on est de retour pour la deuxième game de la finale Division A de League of Legends de la LCE. Donc, on sait, première partie qui aurait été remportée par les Gaillards A. Très grosse performance du Hecarim entre les mains de Chairman Netero, on le rappelle, ainsi que Benji sur sa Sivir. Reste à voir si on va avoir des adaptations du côté de Horizon, comme on l'a mentionné. Je pense qu'il y a des belles options de leur côté, des bons changements qu'on pourrait faire en termes de composition. Mais reste à voir comment est-ce qu'on va avoir joué avec ça de leur côté. Alors qu'on va se préparer pour cette deuxième partie. Donc effectivement, comme tu disais, PJ, l'adaptation de nos compositions, comment est-ce qu'on va jouer dans le draft les mind games de qu'est-ce qu'on banne, qu'est-ce qu'on va chercher, quel pick est-ce qu'on peut flex, est-ce qu'on pourrait pas voir un Vladimir cette fois-ci en mid lane pour I Am Defy qui l'a joué énormément pendant la saison,
Est-ce qu'on pourrait voir de la Riven peut-être passer le ban phase? Donc, est-ce qu'on pourrait voir Mekio sur un champion différent? Est-ce que le Hecarim va passer le ban phase? Ça, c'est la grande question. Est-ce que le Hecarim va passer? Je serais très, très surpris là, qu'on le laisse aller. Oui, évidemment, Karim qui est un champion tout simplement vraiment sport en ce moment. Et de plus, il semblerait qu'on a une bonne expérience du côté de Sherman Netero sur le champion. Donc, je pense qu'on devrait vraiment retirer celui-ci du champion du draft, en fait. Mais là, il faut rappeler Horizon qui sont du Blue Side. On pourrait potentiellement, si on laisse le Karim ouvert, aller first pick celui-ci, puisque c'est ça qu'on avait fait dans la partie précédente. First pick, le Karim du côté des Gaillards, puisqu'on avait le Blue Side, on avait évidemment le first pick. Donc ça nous donnait cette possibilité-là. Donc peut-être qu'on va justement là, tenter de le laisser ouvert. Reste à voir par contre si du côté des Gaillards, on va ban le Karim ou peut-être même qu'on ne le bannera pas, mais qu'on va avoir une réponse déjà prête pour faire face à celui-ci. Absolument. Donc on pense aux autres junglers. On parlait beaucoup de Jarvan aussi qui était possible. Évidemment, on a parlé beaucoup de la Sejuani. La Rek'Sai qui va avoir été ban dans le draft présent. Donc... ça va être à surveiller. Est-ce qu'on se rabattrait sur la CDPM ou peut-être quelque chose d'un petit peu plus agressif? Le bras de Jarvan qui va passer, donc toujours pas d'Hecarim. Est-ce que Hecarim va passer le cinquième ban et passer à la phase de pick? Très très hâte de voir ça. Donc évidemment, si on, le jungler en face ne joue pas vraiment Hecarim, et finalement, le Hecarim dont on parlait tant qui finit par disparaître. Donc, maintenant, Pidgeot, qu'est-ce qu'on anticipe comme first pick ici là, du côté d'Horizon? Ouais, donc là, on sait qu'en ce moment, dans la méta, on a un Vladimir qui est encore très, très fort. Est-ce qu'on va décider d'aller chercher à nouveau, peut-être cette fois-ci, l'envoyer vers la mid lane ou tenter d'avoir un match-up un petit peu plus facile du côté de la top lane? Mais à mon avis, je pense pas qu'aller chercher Vladimir en termes de first pick est l'option qu'on veut. Et on va justement aller chercher la Morgana qui avait été jouée par Alterium dans la partie précédente. On va retourner sur le même champion. Ça peut être potentiellement un flex pick pour la midlane aussi. On sait qu'on joue on joue du luxe. Donc on, en termes de binding, on peut avoir justement là, la même expérience. Donc alors que du côté des Gaillards, on va aller récupérer deux picks qu'on connaît très bien. Orianna et Braum qui seront récupérés encore une fois là, pour Salty et Webstars. Donc là, on met déjà... on met déjà un pied dans la porte. On sait que justement là, Webstar a été très très confortable sur la Orianna et je suis bien content de le voir de retour sur le champion. Il semblerait là, que ça va être tout simplement notre comfort pick aussi longtemps qu'on pourra l'aller récupérer. Donc, la grande comfort pick, l'Ezreal qui fait son entrée, donc on reproduit jusqu'à présent la botine qu'on avait dans la partie précédente. Donc ça va être autour de la jungle, de la top lane et de la mid lane où ça risque de changer pour Horizon. Sinon, côté ADC, comment est-ce qu'on répond au SBR? On sait déjà qu'on a joué contre cette botlane avec Sivir. Sivir, si ça passe pas la deuxième phase de ban, on devrait s'en sortir assez facilement avec ce pick-là vu qu'on aura tout simplement à reproduire l'exploit de la partie précédente du côté des Gaillards. Et là, le fameux pick de Sejuani va sortir pour Best Rek'Sai Bot. On va espérer qu'on va faire des ajustements peut-être au niveau du match-up. On sait qu'on ne fera pas face à Karim. Qu'est-ce qu'on anticipe du côté de l'adversaire? Est-ce qu'on va aller pick un jungler du côté des Gaillards ici? On va y aller pour potentiellement un Gragas. Et oui, Gragas qui sera sorti ici. Donc on a deux champions qui ont des habiletés assez similaires en termes de massive engage, beaucoup de CC, beaucoup de tankiness. Donc on joue vraiment coucou du côté des deux junglers. Oui, on va voir par contre du côté de Sherman Entero, on a le build AP Gragas qui est très populaire. Là, généralement, on va aller chercher justement le Runic Echoes comme jungle upgrade, ainsi que celui d'un Zhonya's Hourglass. Yes. Et après ça, généralement, soit on peut tendre vers un build un petit peu plus tanky, soit continuer vers un path complètement AP. Donc ça reste d'être intéressant de voir quel build Sherman Entero va adopter dans cette partie-ci. Mais on sait très bien par contre, Gragas a l'avantage face à ses joignées en early game. On a des ganks très, très efficaces à l'aide d'un Gragas. Mais là, ce que j'attends le plus de voir, c'est quel champion on va aller récupérer en top lane pour skiser Loli. Donc selon moi, c'est là où avait été fait la plus grosse erreur du draft précédent pour Horizon. On doit avoir un champion qui va exceller en 2v2 en top lane. On doit avoir un champion qui va avoir une bonne synergie avec Sejuani si on veut justement réussir à snowball de ce côté-là de la map. Par contre, là, on va voir probablement le pick de l'Ekerry du côté des Gaillards, sachant qu'on a déjà le match-up, donc une Vayne pour Benji, donc peut-être un early game un petit peu plus tranquille que la Sivir de la partie précédente, mais lorsqu'on va atteindre deux items,
là, on le sait justement, la Blade of the Rune King et la Grunzu's Razor Blade, on va vraiment être une bête de combat et on a déjà une bonne frontline d'acquise. Là, on parle de Gragas et Bronze pour pouvoir pile justement la veine adéquatement. Donc, j'ai bien hâte de voir comment on va pouvoir se débrouiller du côté de Menji à l'aide de la veine. Et là, on va voir les match-ups du côté adverse. La Lux qui est récupérée encore une fois du côté de I Am Defy. Donc, on reste vraiment dans un draft très, très, très similaire. Pour l'instant, on a 4 picks. 4 picks qui sont les mêmes que la partie précédente. 4 picks identiques, justement. Et là, le fameux top laner qui va être récupéré pour ce qui est Loli. Par contre, on n'aura pas le match-up cette fois-ci. Et on va avoir l'avantage du counter match-up du côté de Mikyu. Effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Oh, le Jax qui avait des bandes dans la partie précédente qui va passer ici. Comment est-ce que Mikyu va répondre à ce match-up-là? On n'a plus la Riven. Oh, on a le Jax, par contre, qui est un très, très bon champion contre Jax en nul game, évidemment. Donc, on peut se permettre aussi de disengage du Counter-Strike avec tout simplement le E de Jax. Donc, Mikyu qui, cette saison, en fait, Jax est son champion le plus joué avec 137 games pour un 52% win rate sur le champion. Donc, si on regarde en tout et partout, Pidger, au niveau des bans, on a eu du côté d'Horizon, 3 bans qui ont été dirigés vers Expressa, donc 3 bans ADC, 1 ban jungle pour Jarvan et 1 ban, un target ban pour Mikyu. Alors que du côté adverse, on est allé pour 2 bans jungle qui ont été dirigés par Bestwick Sidebot pour forcer encore une fois vers la Sejuani, le Galio qu'on a enlevé à Alterium et évidemment Webstars qui a voulu s'éviter d'avoir un bad matchup là, contre l'Akali de I Am Defy. Peut-être renforcé sur la Lux à nouveau. Ça semble avoir fonctionné. Et on a enlevé l'Irelia qui aurait très bien pu être joué autant par Mikyu que par Skizilolli. Donc, on se retrouve avec un draft très, très intéressant. Ici, si on regarde le match-up top lane, puis Jure, on a Jax contre Jace. Oui, selon moi, le match-up top lane est celui qui va être le plus tendu durant cette partie-ci. J'espère qu'on va justement aller jouer de ce côté-là, de ce côté de la map, du côté de Bestwick Sidebot. Ça va être très important de pousser notre Jax à l'avantage. Et on le sait, un Jace qui est behind peut être très, très difficile. Ça peut être très difficile pour le Jace, de performer dans cette partie-ci si on se fait camper par justement la Sejuani. Par contre, du côté opposé, Jace qui, lui, si on est à aide, on peut vraiment steamroll ce top lane-là. On peut vraiment aller donner une bonne claque au Jax face à nous. Mais là, ça va dépendre d'une chose très importante. De quel côté on va décider de jouer du côté des Gaillards. On sait qu'on a une très bonne botlane. On sait que si on va placer Benji dans une situation confortable où celui-ci peut se permettre de gagner les 2v2 en botlane, ça peut être une solution très, 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 très adéquate du côté des Gaillards. Mais par contre, si on envoie le Gragas du côté de la top lane, gagner le 2v2 pour son top laner, donc ça peut être un très bon avantage aussi puisqu'on sait que le Jax a un très bon 2v2 à l'aide de la Sejuani. Et si on peut permettre à notre Jace de ne pas trop être behind, ça peut vraiment nous aider énormément. Effectivement. Donc, si on regarde maintenant, on a parlé un peu de l'intervention des junglers dans cette partie-là. Donc, on voit un petit peu les possibilités qui en top lane, en bot lane. Si on regarde la mid lane Lux contre Orianna, on fait complètement le même match-up identique à la game précédente qui avait été très rondement menée par la Orianna. On a réussi à bien toffer notre laning phase. On restait devant au farm. Donc, on restait plutôt pas devant, mais bien ex-aequo au farm. Et on s'en est sorti avec de très, très bonnes shockwaves lors de la venue des teamfights. Donc, très certainement, on peut s'attendre à une reproduction de ce genre d'action. Les deux millénaires, en fait, qui ont flash barely, donc on joue vraiment, on s'évite les one-shots, on évite de se faire tuer dans la laning phase et on veut essayer d'apporter tout ça en teamfight. Et parlant de teamfight, on peut regarder la botlane. Puis, juste si on a une situation de 5-5, Vayne et Braum contre la composition adverse, ça peut vraiment, vraiment peser lourd. Oui, évidemment, on n'a pas énormément d'outils pour aller chercher la Vayne. On a un Jax qui peut, oui, peut jouer très agressif, mais si Braum fait une bonne utilisation de l'ultimate, on peut justement là, protéger la Vayne très adéquatement. On a un Orianna, on a un Gragas. Le peeling est présent. Est-ce qu'on va être capable de mettre Benji dans une situation confortable? Ça va être un élément clé également dans cette partie-ci. Et semblerait qu'on va aller encore une fois, là, à moins qu'on sait que parfois les summoners n'update pas tant aussi longtemps que le délai pour les spectateurs n'est pas terminé. Mais pour l'instant, semblerait qu'on s'en va vers une téléportation du côté d'Expressive slash Benji, encore une fois. Donc, on veut y aller pour du scaling, on veut y aller pour un leading phase bien tranquille et justement là, aller chercher pour le 20-25 minutes par War Spike lorsqu'on va avoir les deux items d'acquis et
Donc, une stratégie très similaire à la partie précédente, sauf que cette fois-ci, on est un champion qui excelle en 1v1. On est un champion qui peut faire des miracles en situation de teamfight si on est bien peel. Alors que du côté de la botlane d'Horizon, encore une fois, on est de retour avec le fameux Ezreal Morgana qu'on a vu dans la partie précédente. Celui-ci était bien behind Morgana. On n'aura pas vraiment eu l'occasion de briller dans cette partie-là. Malheureusement, sachant que les Karim était bien présent en botlane, on a mis beaucoup de pression de ce côté-là, la map. Mais peut-être que ce sera l'opportunité cette fois-ci de mieux performer à Rose et Alterium qui peuvent encore avoir un mot dans cette botlane-là. On le saura dans quelques instants alors que nos joueurs font leur entrée dans le Summoner's Rift. Donc cette fois-ci, du côté bleu, on a l'équipe Horizon du collège Montmorency. Donc en top lane, Skizzy le League jouera Jax dans la jungle, Bestrix iPod sur Sejuani en mid lane, I Am Defy sur Lux et en bot lane, XD Arrows et Alterium respectivement, jouant Ezreal et Morgana en tant qu'ADC et support. Bon, alors que cette fois-ci du Red Side, Gaillard a donc en top lane, Mekio 309 qui sera sur le Jace du côté de la jungle, Chairman Nintero cette fois-ci sur le Gragas. En mid lane, Webstar de retour sur sa fameuse Orianna, alors que la bot lane Expressive et Salty qui eux auront récupéré une bot lane très efficace, soit Vayne et Vroom. Et là on est déjà parti, on parlait du début de la partie précédente, on allait face check les... On n'avait pas face check mais plutôt... scouter les bouches à l'aide de nos Mystic Shots là, du côté. Ouh, un petit 5 gold de son côté. Donc cette fois-ci, on y va encore pour... on y allait cette fois-ci en fait pour du vertical jungling. Donc on voit que Gragas va commencer dans la top lane. Et on va peut-être... Oh, est-ce que ça a été vu ici? Oui, ça semble avoir été vu. On a eu du mouvement du côté d'Horizon là, comme quoi... On a vu le Gragas en top lane. Donc, cette information-là qui va devoir être utilisée à bon escient là, du côté du Collège Montmorency, peut-être pour prendre un avantage en early game. Oui, donc là, on commence du côté du Red Buff pour la Sejuani. On sait le Gragas qui fait de même en top lane. Donc, est-ce qu'on va y aller pour un vertical juggling cette fois-ci? T'en as parlé un petit peu. Donc, ça pourrait être à notre avantage du côté des Gaillards, pardon, qui, on sait, pourrait justement là, mettre un petit peu de pression sur le Jax et nous permettre. De mettre un petit peu là, notre top lane en avance. Pardon. Donc si Expressive s'est fait bind par la Morgana, par contre durant ce temps-là, Salty qui lui va se faire... Oh, le flash-in de la part d'Expressive, mauvaise communication aussi. Par... Je pense du côté de la bot lane des Gaillards. Mais oui, c'est le first blood! Qui va récupérer le first blood au niveau 1. Donc très belle action en bot lane ici. On fera flash-in du côté de Salty. Flash. Oui, donc on a vu une petite hésitation du côté de la bot lane des Gaillards. Mais au final, c'est tout de même l'action qui passe à l'avantage de celui-ci. Et c'est un first blood récupéré du côté de Bronze. Et on a vu Expressive qui a attaqué quelques minions avant de tenter son all-in. Donc on a une énorme wave ici qui va être manquée par Ezreal. Donc on vient vraiment là avec ce cheese-là. Le beau petit fromage qui va mettre la botlane de Horizon vraiment bien ici. Donc là, je suis content de voir aussi qu'on a adopté un petit peu là, des runes différentes du côté de Lux. En mid lane, on a justement la comète qui va nous permettre de mettre un petit peu plus de pression sur... Sur la Orianna, selon moi, je pense que le choix justement de Glacial Augment dans la partie précédente a donné un leaning phase beaucoup plus facile à Webstars qui pouvait se permettre justement là, de sustain beaucoup plus facilement face à un Lux qui n'avait pas autant de pole potential qu'avec une Comet. Donc là, on voit déjà là, un avantage de CS qui se creuse un petit peu pour IMDFR. On voit les HP de Webstars qui tombent beaucoup plus facilement que dans le match-up précédent. Effectivement, comme tu l'as mentionné, Feature, on s'adapte tranquillement autour des rondes. Attention, on parlait du 2v2, mais là, Mekio qui est tout ça, qui est forcé de flash out ici. Donc malheureusement, Gragas qui est pas du tout présent dans la top zone. Il est plutôt en train de subtiliser la jungle adverse de son côté. Donc Sejuani qui va être un peu déçu là, à son retour vers son bot side jungle. On va aller récupérer... Le Grum, attention, on a plus Summoners en main. On sait qu'on a plus de flash. Alterium qui va prendre le coup damage. Et c'est oui, le true damage de la Vayne qui va faire le travail. On flash une Charmander Nintero qui récupère le kill sur le XD Arrow. Et c'est 3 kills déjà récupérés du côté des Gaillards. Donc, déjà un early game très efficace du côté du bot side de la map des Gaillards. Donc là, une Vayne qui va être bien loin devant. Mais pas nécessairement en termes de kills, puisqu'on a seulement récupéré un kill dans tout ça. Mais en termes de CS et d'expérience, on est bien loin devant du côté de Benji. Absolument. Donc, comme tu mentionnais, la coordination, la synchronicité de côté des Gaillards qui est vraiment impressionnante. Là. On parle présentement d'une situation où un Ezreal a 12 CS alors que Vayne
vient de taper la marque des 30 CS là, à 4 minutes. Donc, on s'en sort très, très bien de leur côté. On va aller chercher un back, aller chercher du sustain pour pouvoir continuer d'appliquer la pression ici. Et là, on regarde aussi même la différence dans le jungle. On est en avance sur nos cams du côté de Chairman Netero. En top lane, Mekio aussi qui domine avec son Jace malgré l'intervention de la Sejuani. Donc, en tout et partout, là, il y a seulement notre mid lane du côté dans IMDFI qui est un peu en avance. Et on aura le teleport back de la veine. Et voilà, la pression qui est sans relâche. Ici, le turn frog est présent. La Morgana qui prend énormément de damage, mais là, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a réussi à récupérer le flash Jace en top lane. Et là, je m'attends à ce qu'on ait une Sejuani qui retourne du côté de la top lane. On doit justement trouver un avantage dans cette partie-là, parce que pour l'instant, c'est très difficile. On est bien bien déjà du côté de la bot lane, et on doit permettre à une de nos lanes de prendre un avantage. Et selon moi, c'est ce qu'il dit Loli qui doit prendre justement là. Qui doit prendre le contrôle de Scary, le contrôle de cette partie-là en top lane à l'aide de Sejuani. Sinon, ça risque d'être très difficile. Donc là, par contre, on voit qu'en botlane, c'est Joanie qui tente d'y aller pour un move agressif. Par contre, on a trouvé un très beau binding sur Expressive ici. Oh, on dodge le Q! Oh, très beau! On va aller chercher le stun sur le bon bâton parce qu'on va avoir le damage sur Fantasy. Non, on risque de s'en sortir un très beau téléport. Le téléport de Mekio. En beau timing, le kill qui est récupéré par Expressive ici. On a mis un très beau slow. Oh, c'est un shot blast! C'est la part de Mekio. C'est un deuxième kill récupéré dans cette mêlée. Et là, l'avantage qu'on mentionnait en botlane devient de plus en plus grand, et c'est un sixième kill récupéré par le Gragas. Et là, on est déjà aussi peu que 6 minutes dans la partie. On a un de près de 3000 gold à la pour les Gaillards. Donc, c'est de mauvaise augure du côté de Horizon dans cette partie. C'est de très mauvaise augure, effectivement. Donc, tu le disais, 6 minutes, 6 kills, ça fait 1 kill par minute. Et on parle de kills qui sont sur la veine, sur le Jace et sur Gragas qui s'en va sur un Dark Seal. Donc on va un build très 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 agressif, donc à moins que Horizon reprenne les devants dans les prochaines 5 ou 6 minutes, on peut considérer le coup, le cercueil cloué presque entièrement, alors que Webstar tient très très bien son match-up. Mekio va revenir en top lane avec un Serrated Dirk et une Longsword prêt à intimider son adversaire, lui demander son lunch money. Donc vraiment là, on est dans le siège conducteur du côté des Gaillards. Oui, on est allé en bot lane du côté de Best Rek'Sai-Bot. Comme je parlais justement à quel point l'importance d'aller en top lane était présent. Et je trouve ça vraiment dommage du côté d'Horizon parce qu'on a un bon potentiel de snowball cette top lane-là, mais on s'attarde encore à aller en bot lane où, ce que selon moi, la lane est perdue déjà. On ne doit pas retourner de ce côté-là de la map. On a fait les erreurs. Les erreurs sont déjà faites. On doit tout simplement laisser notre safe lane de Morgana Ezreal, jouer ça tranquillement et d'y aller pour un mid-game un petit peu plus intéressant. Mais oui, là, on va aller chercher le red buff à l'aide du ultimate de Chimera Netero. C'est bien fait de ce côté-là, mais tout de même. Donc là, on force le teammate de Gragas. On sait que celui-ci en a plus et on peut peut-être justement là, continuer d'aller pressure un petit peu cette top lane-là. Parlant de pressure, attention, Skyzone qui prend énormément de damage de Counter-Strike. Et voilà, on repousse Jace qui est très très bien dans son match-up présentement. On va forcer le back. Et voilà, contrôle total de la lane ici. Et on a vu, parlant de domination de la lane, tu parlais de la bot lane, on va aller chercher possiblement un troisième plating, possiblement y aller d'un dive ici. Et oui, le niveau 6 du côté d'Expressive. Oui, donc là, beau tanking de la tour du côté de sortie. Par contre, ici, les auto-attaques ont eu un petit peu la misère à passer du bon côté. Et c'est. Oh, le gunner! Téléportation de la force de Suzy Loli. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Évidemment, on va avoir un Q bientôt du côté de celui-ci. Et tout simplement, le movement speed. Là, on a les tier 2 boosts du côté de Jax qui vont nous permettre de récupérer le kill sur la veine. Donc, un bon shutdown qui est récupéré pour celui-ci. On parle de 200 gold additionnels. Donc, un kill de 500 gold dans les mains du Jax qui va nous permettre là, justement peut-être de faire face au Jace en top lane un petit peu plus facilement. On dirait ça là justement Best Rek'Sai-Bot qui a dû aller défendre justement la T1 en top lane et on a pris beaucoup de damage. On sait Jace qui a pu récupérer la létalité rapidement dans cette partie. Par contre, Chairman Netero qui tente un 2v1 un petit peu douteux. On réussit à mettre un petit peu de damage sur le Jax par contre et gagner un peu de temps. On sait que le Brom est quasiment arrivé. Le flash in de Chairman Netero. Oui, belle action. On connaît notre damage. On est bien confiant dans cette situation-là, et on se permet d'aller récupérer le kill sur la botte. Ouais, pendant de récupérer le kill, le prochain kill qui va être récupéré risque d'être le Mountain Drake. Donc on a une veine qui a récupéré sa build de Rune King avant même la marque des 10 minutes. Donc on a un Pink Ward sur l'objectif, on l'a dans notre ligne de mire. Par contre, on a un MDF qui est très overextend ici.
Oui, donc là, on va peut-être se permettre de récupérer un kill ici en mid lane. On tente de laisser le kill pour notre laner, mais... Justement, là, on réussit. Oh, finalement, le ping-pong! c'est la passe sur la palette, comme on pourrait dire en bon québécois. L'ultimate de Gragas qui a su ramener, justement, là, la lutte au bon endroit pour que Webstar puisse récupérer le kill. Donc, belle action de la part de l'équipe. Là, c'est un beau travail d'équipe ici. On a réussi même à forcer les deux summoners de AMDFI. Donc, si on prenait le kill directement, aurait tout simplement été sauvé de ce côté-là. On aurait pu, justement, là, se remettre de jouer un petit peu plus safe sur les minutes qui suivent. Mais au final, bonne mêlée en botlane. On met du bon damage du côté de Benji. On réussit à dodge. Les bindings. On met les petits pieds du côté expressif qui réussit à sauver tout le temps. Mais par contre, ça ne sera pas suffisant. Le damage de Morgana pour récupérer le kill sur la marque, sur la veine. Et durant ce temps-là, on a Xlay Arrows qui va faire son possible pour prendre le kill sur Salty. Mais finalement, c'est Morgana qui va récupérer un double kill. Donc très très grosse action ici, pendant ce temps-là, en top lane, Skizzy-Loli qui s'est absolument fait malmener par le duo de Mekio et Chairman Hetero. Donc on va aller chercher du plating. Jace qui est connu aussi comme étant un champion que si on lui laisse une tour à lui seul, il va la dévorer assez rapidement. Donc si on regarde en termes de plating, on a deux platings restants en bot lane, 4 en mid lane. Et au top, ça va être la tour qui va tomber très très bientôt. Donc, Mekio qui devrait l'achever là, avec cette minion wave là. Évidemment, on laisse la tower manger le plus de minions possible. 610 gold dans les poches de notre Jace du côté des Caillards. On va être très content là, avec cet objectif. Oui, donc là, un Jace, comme tu mentionnes, qui a peut-être pas beaucoup de kills, qui a, oui, a un bon avance de CS, mais les platings qui ont été récupérés du c'est pas évident à dire. Les platings qui ont été récupérés en top lane lui donnent un avantage de quasiment 2000 gold. Et sur un Jace head à head, ça peut être vraiment, vraiment dangereux pour son opposant. Absolument. Donc, en parlant de plating, on s'annonce Mountain Drake. Attention, on y reviendra. Il y a de l'action en mid lane. Ça go in du côté de Chairman et Hero pour Dragon Shockwave. On réussit à flash out ici à MDF qui prend beaucoup de damage et on va tomber justement. Et c'est Webstar qui va récupérer son deuxième kill dans la partie. Encore une fois, une belle Shockwave du côté de celui-ci. Heureusement, pour Best Rex Cybot, on a réussi à flasher à l'extérieur de celle-ci. Ça aurait pu être un deuxième kill justement récupéré dans cette mêlée-là. Dans ce temps-là, on joue bien agressif en bot lane. On sait qu'on était en situation de 2v1 expressive. Ça va se prendre un petit binding. Et on va voir le Gragas qui va venir mettre un petit peu plus de pression. On sait qu'on a le Drake qui est disponible. Généralement, un Mountain Drake, c'est pas le genre de dragon sur lequel on saute si rapidement. Ça n'a pas le même impact en début de partie qu'un Ocean Drake ou encore un Infernal Drake. Donc, on va se permettre de récupérer les tours tranquillement. Seulement un plating restant en bot lane. On sait que la T1 en top lane est tombée, donc là, Jace va avoir la possibilité de roam beaucoup plus facilement, aller mettre la pression sur les autres lanes. Alors que durant ce temps-là, le Gragas, lui, ça permet d'aller récupérer le Mountain Drake. Effectivement, donc on va avoir évidemment l'assistance de Expressive. Donc le Skullcall qui va s'en suivre aussi, c'est récupéré par Sherman Hetero. Est-ce qu'on va forcer un fight? Ici, on est en situation de 3v3. Sherman Hetero qui a été bien spoté ici. Le Q qui va être lancé, mais on va en rester là. C'est vraiment la mid lane où on veut qu'il y ait de l'action. Donc là, on trouve un stun Webstar. On force le flash de celui-ci. Donc, belle action. Un flash qui aurait été récupéré. On va avoir un bon Arcane Shift in de la part de Xlay Arrows. Mais si on regarde le build de celui-ci, on est sur une tier. Un Glacial Shroud et des Ninja Tabi. Donc le damage qui est pas vraiment présent, malheureusement, là, pour du côté d'Ezreal dans cette partie-là. Oh, attention, on a un all-in ici. Mekio qui potentiellement irait chercher un solo kill sur Skizzy-Loli. Alors que l'équipe de Horizon, pendant ce temps-là, essayait d'assiéger la mid lane. Il reste seulement que deux platings, donc il faut quand même lever notre chapeau à Ian Defy qui a quand même rondement mené. Attention, il revient là! Mekio qui fait une belle rotation du côté de la top lane. On va aller mettre beaucoup de damage sur cette Joanie et on va récupérer le kill sur celle-ci. Par contre, dans ce temps-là, on a Benji qui lui met un petit peu de damage sur la backline adverse. Un bel ultimate d'Ezreal pour Whisker. On a Brown qui va aller chercher un très beau flank. Et on a un beau binding de la part de Lux, mais ce ne sera pas suffisant. Les deux subwesh sont du côté de Gragas et de Morgana, mais ce ne sera tout de même pas suffisant. Oh, c'est un 25 quasiment qui a été récupéré. Là, seulement le Jax est revenu à la vie. Tout comme on allait tuer le dernier adversaire du côté des Gaillards. Donc, un ace non officiel de ce côté-là. Ouais. Mais c'est tout de même 5 kills qui ont été récupérés dans la dernière minute. Et c'est encore une fois une très grosse domination du côté des Gaillards.
Absolument, les Gaillards qui semblent absolument unstoppable ici. Donc les Plaything qui viennent de tomber, le Mountain Drake qui a été récupéré du côté des Gaillards. Et là on a le fameux Rift Herald. On a une petite fenêtre d'opportunité peut-être d'aller chercher cet objectif-là du côté d'Horizon. Mais malheureusement on a très peu de vision dans ce coin-là étant donné que ça a été la zone, la Mekio zone qu'on pourrait appeler, donc où on avait un Jace qui était constamment en train de faire la pression sur son adversaire. Et là, on a repris de la vision tranquillement. Est-ce qu'on aurait une contest du côté des Gaillards pour ce Rift Herald ou est-ce qu'on va décider de le laisser aller? Donc, on peut regarder un petit peu les builds. J'aimerais mentionner, donc, de 1, on a un Medjay sur Gragas. Il semblerait qu'on a récupéré un Medjay sur Brome également. Donc, on se permet des petites plaisanteries ici dans cette partie. On sait qu'on est très loin devant. Et ça me porte à penser, à me demander si on a des scaling up sur le Brome. Par contre, on y reviendra ici. On a une bonne mêlée qui est lancée, le très beau stun récupéré sur la Sejuani. Et c'est un kill qui est récupéré sur ce temps-là pour la Vayne. C'est 3 kills justement, double kill pour Benji, un kill pour le top laner Mekio et c'est un triple kill pour Benji. Celui-ci va-t-il tenter d'aller chercher le quadrikill? Non, on va se contenter d'aller chercher la tier 1 du côté de la mid lane. Et c'est justement là la débandade du côté de l'horizon. Il n'y a plus rien à faire, on est tellement loin behind. À si peu que 15 minutes, on est 12 000 gold derrière l'équipe adverse. Effectivement. C'est le genre de partie qu'en solo queue on FF à 15, donc on approche la marque bientôt des 16 minutes et on est déjà rendu à l'inhibiteur du côté des Gaillards. L'inhibiteur de la médaille qui devrait tomber dans les prochaines secondes, potentiellement suivi d'un kill si on décide de teamfight. Sinon, on a encore le Rift Herald qu'on pourrait aller récupérer. Question de nous ouvrir un deuxième inhibiteur dans les prochaines minutes. Donc si vous voulez mon avis, c'est le genre de partie où ce que vous voulez pas vous faire toucher par l'ultimate de Brome parce que celui-ci a effectivement des scaling up. Donc attention, le Medjay qui va rentrer en action et le one shot du Brome ultimate est possible, mesdames et messieurs. Mais oui, trêve de plaisanterie ici, on va aller récupérer le Rift Herald du côté des Gaillards comme si ce n'était pas assez. Oh! Le Summon Rift Herald! Ok, on va laisser un petit misclic du côté de Gragas et on voit que son équipe n'a pas de difficulté à lui laisser savoir à l'aide des spam ping, les points d'interrogation. Oh! Est-ce que c'est un shutdown qui est récupéré pour la Lux? Donc là, on parle d'un bon gros kill de 800 gold entre les mains de ouais. I Am The Fire. Donc, par contre, Shelly qui fait son entrée dans la top lane et malheureusement qui n'aura donné que quelques baffes à des minions. Mais évidemment, lorsqu'on a un Medjay sur notre Brome, pourquoi s'attarder à ça? Attention, peut-être une erreur ici là, qui aurait été commise par Mekio. On prend énormément de dégâts, est-ce qu'on va réussir à outplay le tout? On réussit à gagner du temps ici. Il manque une seule physique à la gâche. Un autre shutdown, récupérer un kill de 950 gold cette fois-ci sur le Jack. Donc est-ce que ce serait les débuts de la fin pour les Gaillards qui commencent à faire des grosses erreurs? Mais par contre ici là, on a Benji. Oh très beau, Condemn encore une fois. Et oui, c'est un kill qui va être récupéré pour Webstars. Troisième kill entre les mains de l'Ariana. C'est ce qui, tout de même là, on le rappelle encore une fois. Une attention, très la Ariana. Si en mauvaise posture, on est seul dans le pit du dragon. Par contre, un beau snipe de la part. Oh, 942 gold! Un autre shutdown. Donc là, on le rappelle, Lux vient d'avoir au-dessus de 1500-1600 gold dans la dernière minute de jeu. Absolument. Et si on parle, si on continue comme ça, en fait, Lux qui peut très bien one-shot Vayne, peut très bien one-shot Orianna, peut très bien one-shot Jace. Donc si on a suffisamment d'AP. Évidemment, ça peut être assez compliqué. On s'est gagné beaucoup de temps là, du côté de Horizon avec ces shutdowns-là. Donc, ça nous permet un peu de respirer. On a aussi des waves de Super Minions qui rentrent dans notre base. Donc, ça nous fait une source d'income un peu plus élevée qu'à l'habitude. Par contre, deuxième Mountain Drake là, qui est récupéré. Et on a le Baron qui va faire son entrée de jeu là, dans quelques minutes. Et ça pourrait être le clou dans le cercueil là, pour la partie. Oui, donc là, en 2 minutes 30, on a rattrapé un écart de 3000 gold. On a réduit l'écart, en fait, de 3000 gold du côté d'Horizon. On le rappelle, à 16 minutes, on était 12 000 gold à l'avance du côté des Gaillards. Et maintenant, c'est seulement une avance de 9000 gold. Donc, on a peut-être un petit peu réduit notre niveau de tryhard, pourrait-on dire. Oui, on a lancé la balle dans le cadre. On a justement fait quelques petites erreurs. Voilà, justement, encore, là, le bon qui tombe damage. Mais l'ultimate, dans l'ultimate, Jack va faire énormément de damage ici. On va être capable de garder les Medjay 5 du côté de Brombouille, on s'en sort en vie. Expressive, pardon, Benji qui va récupérer ce kill-là. Par la chasse.
pour celui-ci. Et durant ce temps-là, on a encore les Mekio et Webster qui, eux, sont sur un gros split push côté de la bataille. On va récupérer la T3 de cette lane et l'inhibiteur qui va probablement tomber en même temps sur cette même action. Yes, c'est là l'inhibiteur qui va tenter d'être défendu par Arrows. Excusez le lit. Par contre, l'arrivée de Gragas, ça devrait nous décourager. Attention, on se rend les... Oh, le Predator qui est lancé, la machine! Oh, le Chairman Nibiru, on prend le coup de damage même de faire, mais c'est encore une fois un petit hint de la part de celui-ci qui va aller jeter aux poubelles l'entièreté de ses Magi Stacks. Donc on avait, je pense qu'on était près de 20 Magi Stacks du côté de Gragas, et avec les deux morts précédentes, là, malheureusement, celui-ci qui seront tout à fait disparus. Seulement le Brome aura fait... un bon choix à l'aide du Medjay, là, évidemment. Oh, pardon. Avec là. Les 12 stacks, du haut de ces 12 stacks et aussi du Stinger qui s'en est suivi. Donc, oui, on voit vraiment là, que du côté de Gaillard, on est bien loin devant. On se permet de trailer un petit peu. Un Medjay qui aurait été récupéré également du côté de Benji. Donc, 3 Medjay dans cette partie-ci. 2 étant sur des champions qui n'ont quasiment aucun scaling OP. Donc, ça reste un petit peu intéressant. Malheureusement, Sword of the Occult qui n'est plus dans le jeu. Ça aurait peut-être été un petit peu plus adéquat pour nous voir ici. Mais bon, revenons un petit peu au sérieux. Très beau contact de part de Benji. Mais malheureusement, pour celui-ci, là, on a du bon follow-up du côté de l'équipe adverse. Et c'est un kill, encore une fois, récupéré du côté de l'horizon. Un autre shutdown récupéré de ce côté-là. Et cette fois-ci, on parle d'un kill de 600 gold. Ouais, donc évidemment, là, on voit que ça joue un peu avec notre nourriture là, du côté des Gaillards. Par contre, on a le Baron qui est... récupéré, j'allais dire deux inhibiteurs down, mais c'est totalement faux. Notre inhibiteur en mid lane qui est de retour sur la phase de l'invocateur, donc très certainement là, à l'arrivée de Expressive de retour ici là. Dans Summoner's Rift, on devrait se diriger vers le Baron, conclure avec une bonne fight, une bonne prise de Baron et terminer la partie là-dessus. Donc là, il nous reste seulement la top lane à faire tomber, comme tu l'as mentionné, le Baron qui est disponible avec deux Mountain Drake et une Vayne. Celui-ci peut tomber très rapidement, donc on va devoir être réactif, on devoir être prêt à justement aller défendre celui-ci du côté d'horizon si on veut réussir à rester plus longtemps dans la partie, puisque on peut le mentionner, si on réussit à justement là, étendre cette partie-ci, on a quand même une composition qui scale très bien. Autant du côté du top lane, de la jungle et de la mid lane, qui sont selon moi les trois champions, ce qui est le mieux dans leur équipe. Par contre, on reviendra. Mais sur Xybot qui se fait prendre dans une mauvaise posture, on a ici un bon follow-up. Mais tout le monde, on est très tanky, on sait que c'est éloigné. On a un bon pool d'HP et des bonnes résistes à l'être passif ici. Par contre, Salty qui va lancer l'ultimate. Attention, on a un backdoor. Damage aid durant ce temps-là, Expressive fait énormément d'amis. Et comme tu l'as mentionné, le backdoor de Mekio sur le Nexus adverse. On fait tomber la dernière Nexus turret. On est capable d'aller vers le Nexus. Par contre, on est un petit peu en situation de 1v3 pour celui-ci. Donc, on va tomber, mais tout de même, les tours qui sont tombés. Et il nous reste encore trois joueurs d'importance, soit Vayne, Orianna et Gragas, qui eux sont en train d'assiéger cette partie. Oui, effectivement, en top lane qui devrait tomber très bientôt. Ça va être récupéré. Attention, Expressive qui a l'air d'en vouloir plus encore, malheureusement, qui va se faire récupérer par Rek'Sai. But attention. Possiblement un autre shutdown ici, le flasher de la porte de Webstars. Et là, on n'a plus de jungler, en fait, dans les parages. Notre jungler qui est parti split push au mid. Attention, excusez le lit, ce n'est qu'une question de temps. On part à la chasse, le prochain counter strike, ça tombe. C'est le shutdown ici de la porte de Skizzy le lit. On vient récupérer le kill sur Webstars. Attention, German Nico, le fameux Blascon. On retourne en position de sécurité. Et là, quel est le prochain move pour les Gaillards? Est-ce qu'on étire la partie avec un prochain dragon ou est-ce qu'on conclut le tout avec un Baron? Selon moi, le choix logique serait d'aller vers le Baron, évidemment, là, si on récupère ce Baron-là, en ayant toutes les tours du côté adverse tombées. Ce serait vraiment facile de terminer la partie. Mais à voir comment on joue depuis les dernières minutes du côté des Gaillards, on se permet de se faire beaucoup de plaisir. Et je ne serais pas étonné de les voir tenter de faire un mot différent. Donc là, on voit évidemment Mekio et Salty qui, eux, sont partis vers le Baron. On a Gragas qui va venir s'emmêler également. Et durant ce temps-là, on a Vayne qui, elle, semblerait préférer aller vers un Mountain Drake. Aller justement là, aider son équipe à faire ce Baron en leur donnant plus de shoot damage. Là, par contre, on
a potentiellement un défi sur le baron. 2018, on a raconté le slide. Et non, c'est la gastrique par l'aide du smite. Dans ce temps-là, qui va tomber. On va perdre les précieuses stacks de médailles. Et on va donner 3 kills à l'équipe adverse. Et on aurait tout de même réussi à en récupérer un en retour. La Morgana qui sera tombée à Altarium qui n'aura plus résisté. C'est un trade de 4 pour 1 à l'avantage de Horizon. Mais on aura tout de même encore là, le baron de disponible sur le chase. Donc Horizon qui laisse traîner un peu, traîner un petit peu des sacs de gold de par-ci par-là dans la partie question de rendre ça un petit peu plus intéressant. Donc Mikio qui va très certainement partir sur du split push là, avec son Baron buff. Évidemment, lorsque le reste de son équipe va respawn, on devrait se rencontrer pas trop loin du Nexus adverse là, rendu à ce point-là de la partie. Donc, ouais, sapping en mid lane, on veut marcher vers le Nexus à 5. C'est maintenant qu'on reprend l'esprit d'équipe, on reprend la synchronicité, on reprend la synergie. Et là, on y va, on fonce à 5 vers le Nexus adverse. Comme on dirait bien, on drive it down mid. Donc, c'est parti pour un teamfight assez explosif. Là où on trouve un beau binding du côté de l'AM de fer, on va mettre beaucoup d'amis sur Mekio qui va un petit peu être sauvé grâce à... Grâce à son X-Maker, on voit là qu'on a vraiment des bons outils. Et oui, on récupère un kill sur le Vroom. Donc, un kill déjà de récupérer de ce côté-là. Est-ce qu'on serait capable de retourner cette partie-ci du côté d'Horizon? On a le teammate de Sylvani qui va être prêt bientôt. Est-ce qu'on va réussir à trouver un catch ici? Le Grand Gas en mauvaise posture. Le teammate va trouver la Orienne. On va trouver le flash in à la part de Jack. Et oui, oh non, dans le cas pour les stuns, on fait mentir. Mais tout de même, Bane va tomber au damage d'Ezreal. Alors, un trade ici de 1 pour 1, 2 pour 1, pardon, dans la mid lane si on considère là, le kill qui aurait été récupéré un petit peu plus tôt sur le Brome. Donc, on récupère la première tour de la partie du côté d'Horizon également. Donc, la partie n'est pas terminée. On pensait justement, là, lorsqu'on parlait du 12 000 gold d'avantage à 16 minutes, que ce serait fini d'ici, selon moi, la tranche des 20 minutes. Mais non, oui, évidemment, on a décidé autrement du côté des Gaillards. On s'est dit, on va leur donner la chance de jouer cette partie-là. On va justement leur donner énormément de gold. Et là, on voit qu'on a vraiment les moyens là, de se défendre du côté d'Horizon. C'est Charmin Intero qui est parti ici de Zonia. Best Rek'Sai Bot qui tant bien que mal de se battre contre l'adversaire. Là, on a bien estimé de la part de Trill qui ne fera pas assez de damage malheureusement pour récupérer le kill sur Gragas et Jace. Mais les deux qui sont très très low aussi, on sera forcé de back et d'aller se préparer pour un nouvel assaut vers la base adverse. Effectivement, donc comme on l'observait, puis jeu, on voit qu'on a joué peut-être un peu trop avec notre nourriture là, du côté des Gaillards. Par contre, dès que la vision sera rétablie, j'ai bonne confiance là, que les Gaillards vont être capables de terminer cette partie dans les prochaines minutes. Évidemment, tous les shutdowns ont été en fait permis par le manque de vision en fait et la suragressivité de la part. De la part des Gaillards, et je pense qu'on en est très conscient là, du côté d'Horizon. Donc évidemment, on va continuer de tenter tant bien que mal de gagner cette partie-là. Alors comme le Lux, qui est elle aussi un Medjay à 25 stacks, donc elle n'a pas négligé énormément de dégâts là, sur le midlaner du côté d'Horizon. Oui, Lux a récupéré beaucoup de kills importants dans les dernières minutes ici. Justement, un beau binding encore une fois du côté de celle-ci. Donc on prend beaucoup de damage. Par contre, Jace qui aura trouvé un très beau shot blast. Ça là, expectative en mid lane. On a réussi à dodger l'ultimate de Sejuani. On met beaucoup d'amis. Par contre, les Q d'Ezreal qui réussit à la dire. Et oui, c'est la snipe de la part de Léa Rose. Et c'est le Rampage. Belle shockwave. Par contre, du côté de Webstars, on a réussi à récupérer un kill sur l'Ezreal adverse. Double kill pour le Gragassien. Un kill récupéré du côté de Webstars. Cette fois-ci, flash in de la part de Santi. On trouve le Q, mais malheureusement, on n'aura pas le follow-up pour aller justement le prendre, ce qu'il dit. Et c'est l'Inditer du côté de la mid lane qui va être tombé. On a le téléport du côté de Mekio. Donc là, on s'en va vers un back et probablement qu'on va décider de téléporter back dans la base et tenter de finir cette partie. Par contre, tu l'as mentionné, faire attention à la lutte, tu fais énormément d'amis à l'aide de ses 25 stacks de Medjay et son Rabadon. Grâce à ça, Best Rek'Sai Bot en situation de 3, on va tomber le kill qui est récupéré par Jace. Évidemment, là on est en situation de 4 contre 1. I am the fight. Ça prend bien que mal de défendre cette partie. Maintenant, c'est le shutdown récupéré par Jace. Et oui, c'est la grande finale qui est remportée par Gaillard A, la division A de la LCE. Qui ont comme grand champion à nouveau une deuxième saison de suite, les Gaillards du Cégep de Jonquière. Et oui, donc GG aux deux équipes, GG aux Gaillards qui nous ont fait, stresser côté casters sur cette partie-là. Donc, très, très, très grosse partie, évidemment. Je crois qu'on a prouvé qu'on était vraiment l'équipe
la plus stackée, la plus puissante de la LCE, en, du moins pour cette saison, du moins pour la saison précédente aussi. Donc les Gaillards qui sont vraiment sur une très très bonne lancée et on a des joueurs très solides qui vont continuer de s'améliorer. Évidemment, ça donne une bonne leçon aussi au Collège Montmorency qui finissent deuxième dans ce BO3-là. Donc, évidemment, très, très grosse partie. Mais à tout le moins, on a eu du beau jeu. On a eu énormément d'action. Donc, nous, côté caster, on est amplement satisfait. On est rassasié de ce beau jeu. Donc, on peut aller voir très rapidement les statistiques pour voir le carry. Et voilà, le plus grand damage du côté d'Horizon. Évidemment, Lux avec 25k dégâts qui a été matché par Mekio qui a fait le plus de dégâts de son équipe avec 25k lui aussi. Si on regarde deuxième carry du côté des Gaillards, 21 000 dégâts infligés de la part de Vayne contre un maigre 12 000. Donc pratiquement le double du côté d'Ezreal. Sinon, les deux junglers qui semblent avoir des charges de damage assez semblables en mid lane, on a joué un rôle un petit peu plus utilitaire là, du côté de l'Orianna, qui n'a pas beaucoup de dégâts, mais qui nous a sorti encore d'excellentes multi-man shockwave. Donc, on a été très, très contents de voir ça. Là. Du vrai bonbon pour nos yeux. Oui, donc, encore une fois, une très bonne partie. Malheureusement, Gaillard, qui ont tenté tant bien que mal là, de donner cette partie-ci à Horizon, mais au final, on a repris un petit peu là, en équipe. On a recommencé à try-out un petit peu lorsqu'on a vu que ça commençait à être plus difficile. Et on est revenu dans cette partie-ci. Donc, une belle victoire. 2-0, on le mentionne, pour des Gaillards. Donc, on aimerait également remercier toute l'équipe de production. Donc, on parle ici là, de Racial et Doc School. On a également les arbitres en charge, Solani et Loki, et les personnes qui ont fait des merveilleuses statistiques pour, justement, là, alimenter nos commentaires, alimenter les drafts. Donc, ici, on parle de Dra, Caillou et les DQC. Donc, une belle équipe qui nous permet, justement, de vous présenter ce match-ci. Si facilement, en fait, pourrait-on dire. Donc, de très belles parties. Donc, c'est ce qui conclut, justement, la division A de League of Legends. En fait, toutes les divisions de League of Legends qui ont été jouées aujourd'hui. Donc, de très belles finales, de très belles équipes. Et, encore une fois, c'était Pager et Typic. Merci de nous avoir regardés ce soir. Et on vous laisse sur de belles joutes demain également. On va le mentionner aussi demain. Rocket League dès 8h30 le matin, suivi de Overwatch tout le reste de la journée jusqu'à 5h, jusqu'aux alentours de 5h dans la journée. Donc oui, Overwatch, on le mentionne dans le chat, commence à 10h30. Donc encore une fois, une journée demain bien stacked. Donc manquez pas ça, ça va être encore une belle journée de LCE. Et sur ce, donc merci d'avoir été là ce soir. League of Legends est conclu et Jonquière sont encore les grands champions de cette division. Yes, donc merci encore à tous de nous avoir regardés. Merci à tous ceux dans le chat qui nous ont animé le tout pendant que nous, on castait. Donc, Typic et Pager, on vous remercie encore une dernière fois et on sign out. Bonne soirée à tous. We'll be right back.
The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another.